Vous avez reçu votre capteur, vous êtes prêt à l'installer. Pour vous accompagner dans cette mise en service, nous vous avons mis à disposition cette vidéo tutoriel ainsi que cette fiche pratique d'aide à la mise en service et qui est disponible en flashant le QR code à l'écran. Afin de mettre en œuvre le capteur, il est nécessaire de connaître approximativement la hauteur de la cuve, soit par une mesure, lorsque c'est possible, soit par une information qu'on rentrera dans le capteur et qui pourrait être modifiée par la suite. Le logiciel que vous pouvez utiliser pour le paramétrage du capteur est soit Moneo Configure ou Moneo Blue, qui est une application que vous pouvez télécharger sur votre smartphone, vous permettant de paramétrer le capteur en Bluetooth. Le paramètre important à paramétrer lorsqu'on utilise le capteur, c'est la hauteur de référence, à savoir la distance entre l'appareil et le point zéro. Autre élément qui peut être intéressant, c'est la zone morte supérieure, qui sert à la suppression de l'écho parasite provenant par exemple des manchons de montage. Une fois le paramétrage effectué, vous pouvez écrire sur le capteur les informations et le capteur est à présent fonctionnel.